On est en direct live. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je répète, monsieur collectionneur, venez. Je répète, c'est le monsieur au Derby 125 que j'ai largué. Alors, c'est une vidéo tout simplement. Je sais pas si vous avez vu le 50. Il est en réparation. Monsieur le collectionneur, il s'en occupe. Je répète, venez. On est en direct live. Venez tous. Venez. Alors, dites-nous, monsieur le collectionneur, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez la caméra, ne soyez pas gênés, je répète. Ne soyez pas timide, on est en direct. Je suis en train de la refaire, mon ami. Alors dis-leur tout. Dis-leur tout, mon lapin, dis-leur tout ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas acheter? Que tu vas faire pour que ça marche? Dis-moi tout, mon lapin. Alors, j'ai changé le piston, il est tout neuf. D'accord, attention. D'accord. Le piston est tout neuf, le carbus en a un autre. Ouais. Parce que d'origine, c'est une grosse boîte à air qui est ici. Donc, ouais, du coup, là, vas-y. Donc là, ce sera juste ça, un filtre à air que j'ai fixé. Ouais. J'ai changé la bougie, donc il n'est pas dessus, l'antiparasite. Ouais. Le système d'embrayage qui est tout neuf, que je suis en train de refaire aussi. Ouais. L'échappement, il faut que je refasse aussi. D'accord. Les plaques. Là, les plaques, tu l'as enlevé du coup. Ouais, tu l'as enlevé. Je suis en train de faire passer en cross. Ouais. Et puis, j'y repeins aussi les. Ouais, le carénage. Ouais. Voilà. Mais sinon, mais pourquoi marche plus mon lapin? Il s'est passé quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Nous, on veut savoir la vraie vérité. T'es tombé avec, t'as fait quoi? T'as fait un cassage? T'as dit, dis-moi tout. Non, il y a rien du tout. Il faut juste racheter des joints. Des joints. Parce qu'il y a le liquide d'enfalissement qui est dans le moteur, donc du coup. Du coup, ouais, c'est compliqué. Voilà. Mais du coup. Mais du coup, tu penses que ça va être combien de temps à être réparé ça? Quand t'auras les joints de. Comme tu m'as expliqué. Bah, combien de temps tu penses que ça va remarcher? Même pas une heure. Après, ça roule nickel. Ah bah, ça roule nickel. Et tu vas rien faire de dessus? Tu vas pas, là, je sais pas, changer un truc en plus? Rien du tout, mon lapin. Bah, non, juste après mettre de te coller la con dessus. Juste pour décorer quoi. Ouais, voilà. Bah, c'est bien. On pourrait peut-être changer les pneus, mettre des crosses. Tu vas mettre des pneus de crosses? Ah, pour bien accrocher quand on va dans quand va en forêt. Ah, oui, il a raison. Ça, c'est des pneus. Ouais, c'est semi-route, semi-cross, mais il vaut mieux mettre des vrais pneus avec des crampons. Ouais, des crampons, c'est bien que ça. Quand on bombarde, ça accroche quoi. Et meilleure ligne d'échappement parce que. Elle est pas très bonne quand là. Pendant qu'on sait, ça sortira mieux. Ah, ouais? Ah bah c'est bien, bah vous avez vu. Allez, il se débrouille un peu quand même. Voilà. Il touche un peu à tout, on va dire. C'est bien. Mais bon, dites-moi, regardez, il est là. Je l'ai tracé en ça. Il avait un 125, j'avais un 50. Non, attends, je l'ai tracé, vas-y. Un 125, c'était ma première 125, le carbu était même pas réglé. Et j'ai oublié de mettre l'arrivée d'essence. Voilà. Oui. Et c'est pas mon problème. Après, je l'aurais doublé. Hein. Et du coup, vous allez voir dans la prochaine vidéo ma nouvelle d'heure. C'est comme quand je l'ai niqué avec ma Golf et avec son Audi. Surtout mes lapins, n'oubliez pas. Dites-moi tous, si vous voulez tous, la revanche entre la 50 et la 125. Voilà, la revanche, vous allez la voir, t'inquiète pas. Vous allez voir, mes lapins. Je répète, abonnez-vous partout, je répète, on est en direct live. Bonsoir à vous, je répète, partage à tous. Bisous, je répète, c'est M. Gonzalo Paris.